江雪，柳宗元。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。Les deux premiers vers sont parallèles. Ils ont la même structure grammaticale. Feil, qui est aujourd'hui un verbe, est ici un nom, comme le terme correspondant du deuxième vers, tsong, les traces de pas. Mille sommets, où se noie le vol des oiseaux, 10 000 sentiers, où s'efface le pas des hommes. Les mots tien, mille, et wan, 10 000, ont tous les deux le sens global d'innombrable, mais j'ai choisi de conserver leur sens numérique strict parce que le poète a voulu ménager une progression, un changement d'échelle de l'un à l'autre. D'emblée, il établit un parallèle entre les oiseaux et les hommes, entre le haut et le bas. Est-ce pour cela qu'il a choisi le verbe « jue », qui se prononce au ton ascendant pour parler des oiseaux, et le verbe « mie », qui se prononce au ton descendant pour parler des hommes? Je ne saurais le dire, mais les coïncidences sont rares en poésie. Quant au mot « sué », la neige, qui termine le quatrain, il pourrait bien être l'œil du poème, le caractère qui en donne la clé, formé du composant yu, la pluie, et de hui, le balai. Il figure à lui seul, par ses traits comme par son étymologie, la disparition qui est au cœur du poème. Le verbe « tuer », s'évanouir ou se fondre au sens métaphorique, et le verbe « mier », s'éteindre, s'effacer, placés en fin de vers, sont des temps forts de la métrique chinoise. Ils évoquent le processus dynamique de la disparition. Je ne traduirai donc pas, comme François Cheng, « aucun vol d'oiseau et nulle trace d'homme », car c'est sur le mode de la présence-absence que tout se joue. Il s'agit de rendre visible l'évanescence d'un vol d'oiseau, de rendre sensible la durée éphémère d'une trace de pas sous la neige. Manquer cette dimension temporelle, ce serait selon moi manquer la portée philosophique du poème. Pour Liu Zhongyuan, adepte du taoïsme, les choses sont en perpétuelle mutation. Ce serait manquer aussi sa portée esthétique. À lire ce poème de Liu Zhongyuan, on a en effet le sentiment de regarder par-dessus l'épaule du peintre-poète, brossant un paysage de neige à l'encre de Chine et diluant plus ou moins son encre pour rendre tangible la dissolution des apparences dans la vacuité du blanc, la fusion des formes pleines dans le vide, conformément au principe de la peinture du paysage Shan Shui, la montagne et l'eau en chinois. Le poème décrit plan par plan un paysage de montagne et d'eau. Tout en haut, à l'horizon, la ligne brisée des montagnes aux 1000 sommets, à peine rayée, ici et là, de virgules d'encre très diluées pour suggérer le vol des oiseaux disparaissant derrière les flocons de neige. Au plan médian, les lignes serpentines des sentiers, à peine tachées de gris noir pour esquisser les traces de pas ensevelies sous la neige. En bas, au premier plan, les contours anguleux d'une barque sur le fleuve, et enfin, le pêcheur qu'on devine à quelques traits géométriques émergeant de tout ce blanc. Les feuilles pointues d'une cape de pluie en paille de roseau, le cône d'un chapeau de bambou. C'est pourquoi j'ai choisi de suivre l'ordre des mots chinois et de terminer le vers par l'identification de ce personnage singulier. Une barque unique, un manteau de jonc, un chapeau de bambou, c'est un vieillard. Seul, il est là qui pêche du fleuve glacé, la neige. Introduire un personnage minuscule dans l'immensité de la nature est typique du Shen Shui. J'ajouterai que pour moi, ce vieux pêcheur dans son manteau de paille ressemble à s'y méprendre à un héron aux plumes ébouriffées, immobile au bord de l'eau, guettant le poisson. Il réaliserait ainsi la synthèse de l'homme et de l'oiseau des deux premiers vers. On l'aura compris,
tout le poème repose sur le contraste graphique et symbolique entre cette unique barque, portant un vieillard solitaire, et la multitude des sommets et des sentiers innombrables. Mais que fait-il donc à pêcher de la neige sur le fleuve et non du poisson ? Il faut, pour le comprendre, se pencher sur la biographie du poète. Liu Zhongyuan est né dans une famille de mandarins. Après avoir brillamment réussi aux examens, il commença sa carrière politique sous le règne de l'empereur Shunzong, qui avait accédé au trône en 805. Proche du réformiste Wang Shuwen, devenu ministre des Rites, il entreprit avec lui de restaurer le pouvoir impérial confisqué par les eunuques et les grands féodaux. Pour ce faire, ils abolirent le marché du palais qui autorisait les eunuques à se servir à moindre coût, voire à ne rien payer pour leurs achats. Ils décidèrent également d'exonérer d'impôts les petites gens. Mais l'empereur, de santé fragile, dut abdiquer au profit du prince impérial qui lui succéda sous le nom de Xian Zong en septembre 805. Le mouvement de réforme n'avait duré que 180 jours. Tandis que Wang Shuwen recevait l'ordre de se suicider, Liu Zhongyuan était exilé à Yangzhou dans le Hunan, puis à Yuzhou dans le Guangxi. Devenu gouverneur de la ville, Liu Zhongyuan continua à y appliquer les principes de la réforme envers et contre tout. Il abolit l'esclavage pour dette et racheta la liberté de mains esclaves sur ses propres fonds. Il passa le reste de sa vie en exil et ne put jamais rentrer dans la capitale. Poète, fabuliste, philosophe, c'est en exil qu'il rédigea les 140 poèmes que l'on connaît de lui. Il mourut à l'âge de 47 ans, accablé de vexations, avant de recevoir le décret de grâce que lui accorda l'empereur en 819. On comprend dès lors le sens métaphorique du poème. Ce vieillard solitaire pêchant de la neige sur le fleuve glacé, c'est le poète lui-même, condamné à l'exil, relégué dans une lointaine province, tandis que la foule des ambitieux et des courtisans se plie aux caprices du nouvel empereur. Pêcher la neige du fleuve glacé, c'est essuyer toutes les hontes, toutes les rebuffades, toutes les humiliations, et c'est aussi le sens verbal du mot « suivre » qui est décidément l'œil du poète. Jiang Xue, Liu Zhongyuan. Qian shan niao fei jue, wan jing ren zong mie. Gu zhou suo li weng, du diao han jiang xue. De la neige sur le fleuve, Liu Zhongyuan. Mille sommets où se noie le vol des oiseaux, 10 000 sentiers où s'efface le pas des hommes, une barque unique, un manteau de jonc, un chapeau de bambou, c'est un vieillard. Seul, il est là qui pêche du fleuve glacé la neige.